Hello YouTube, welcome back to my channel. C'est Nadine Kishin de Centre Français. Bienvenue sur ma page. Aujourd'hui, un épisode de Nadine Kishin. Je vais vous apprendre pour ce nouvel épisode aujourd'hui comment préparer votre sauce d'arachide. Ok, votre sauce d'arachide blanche. Blanche, blanche, blanche. Today, guys, I'm gonna learn you why to cook your peanut, white peanut soup, okay, with mushroom, dry fish, and that's it. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma page, sois la bienvenue. Et c'est tout. N'oublie pas de subscribe, guys. Oui, subscribe, subscribe, c'est free. Subscribe, c'est gratuit. Subscribe pour avoir les prochaines fois que j'aurai les publications, tu puisses avoir mes vidéos sans manquer, guys. Allez, like, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager à ta communauté pour qu'ensemble nous puissions former une très très grande communauté. Aujourd'hui, je partage avec toi ma recette de la sauce blanche du Cameroun avec du poisson, avec du champignon séché que j'ai trempé et du poisson bunga, ok? Sans plus tarder, let's go. Pour ingrédients pour ma sauce d'arachide, j'aurai les arachides déjà trempés. J'ai lavé, trempé, lavé, propre. Et j'ai mes champignons. Vous pouvez prendre les frais, champignons frais, mais j'ai dû acheter les champignons secs. J'ai dû à tremper la veille et laver bien et tremper. Comme ça, le jus là, comme ceci là, vous aurez besoin parce que regardez la coloration, le jus du champignon. L'absorption là est entrée dans le jus, donc j'ai déjà utilisé cette eau de champignon. J'ai ici mon poisson sec appelé communément bunga fish Cameroun, ok. J'ai un oignon, du piment, quelques feuilles de poireau, du gingembre, de l'ail et quelques tomates. Et that's it. Mes arachides ici, que je vais mettre dans mon mixeur. Ok, guys. Ainsi que ma tomate, mon ail. Je vais couper légèrement le gingembre pour faciliter le mixage. Ainsi que les poivrons. J'ai lancé une crevette bien séchée, une grosse crevette, c'est tout ce que j'ai besoin. Et les deux tiers de mes un oignon, je vais ajouter de l'eau. Et je blende. De l'huile d'un autre marmite. Un peu d'huile.
Là, je vais faire griller mon poisson fumé, mon bunga, pour revenir la sauce, pour faire revenir le poisson dans la sauce. Et en même temps, mes oignons. Je lance avec un seul piment, donc je vais lancer la sauce. Faire revenir pour griller un peu, amuser un peu les oignons avec le poisson. Wow. Vous pouvez ajouter vos oignons, vos champignons, les caraméliser un peu, mais c'est pas nécessaire. J'ai mon jus de champignons vert. Je sale. Et je couvre. Laissez bouillir votre eau. Vous rajoutez vos arachides. Là, je vais mettre un peu d'eau. Pour rincer mon blender, ouvrez et laissez bouillir. Recouvrez pas complètement. Inclinez comme ceci. Inclinez. Et laissez bouillir. On se retrouve dans 30 minutes pour contrôler la cuisson. Et on va ajouter de l'eau. Parce que les bords, les arachides moussent encore. Quand les bords des arachides moussent comme ça, là, ça veut dire que les arachides ne sont pas encore cuits. Et c'est la sauce pèse. Donc j'ajoute de l'eau pour permettre aux arachides de bien cuire doucement sans se brûler. J'ajoute de l'eau et je le cuis en même moment. Lance le tout cube de piment.
se couvre et j'incline le couvercle, pas complètement, pour que la sauce ne mousse pas et verse. Donc je laisse, j'incline et je laisse encore cuire pendant 30 minutes. Quand l'huile va couler au-dessus des bords, quand l'huile va sortir au-dessus comme ça, ça veut dire que les arachides sont déjà cuits. Au moment, c'est pas. Là, on voit l'huile dessus, ça veut dire que l'arachide est parfaitement cuit. Sauce blanche, parfait. Regardez le cadate. Le cadate. Si vous voulez, vous ajoutez encore l'eau parce que quand vous allez déposer les arachides, la sauce par terre, elle va gonfler, elle va peser plus. Donc, si vous voulez pas, si vous pouvez laisser comme ça, moi je vais laisser comme ça. Je goûte un peu au sel, ça va. Parfait. N'oubliez pas de subscribe, de liker, de partager la vidéo. On se voit à la vidéo prochaine. Bye! Thank you.